Il n'y a pas de désordre. On est là pour s'éclater. C'est un appareil qui a été mis au point il y a 6 mois, qui est fabriqué en kevlar carbone, qui pèse moins de 12 kg, qui est caréné, donc qui me permet d'atteindre des vitesses de plus de 100 km/h, et qui m'a permis aussi de gagner la 3e place en descente aux Jeux paralympiques. La France, qui a toujours tenu un grand rôle dans ces Jeux paralympiques, avec de nombreuses médailles. Et notons que c'est en France que fut organisée les premières compétitions officielles internationales de ski. Jeux mondiaux à Courchevel en 72, ce n'est pas d'hier. Les championnats du monde au Grand Mornant en 74. Aux Jeux paralympiques en 88, l'équipe de France comprenant 21 sélectionnés a remporté 13 médailles, dont 5 d'or. Devant ces hommes, deux pompiers, un de Tignes, un de Val d'Isère, en hommage à l'espace Killy. Un gendarme et un CRS, bien sûr, pour remercier tous ceux qui ont œuvré aux côtés de tous les volontaires. Je déclare ouvert les 5e Jeux paralympiques d'hiver de Tignes, Albertville, 1992. Important d'une cérémonie d'ouverture, le moment du serment olympique, serment prêté côté athlète par Ludovic Ray Robert. On applaudit bien sûr. Au nom de tous les compétiteurs, je promets que nous participerons à ces 5e Jeux paralympiques en respectant et en nous conformant aux règles qui les gouvernent, dans un véritable esprit sportif, pour la gloire du sport et bien sûr pour l'honneur de nos équipes. Le seul à ne pas pleurer quand on raconte l'histoire, c'est lui. Solitaire, sur ce télésiège, ce pourrait être le cliché de couverture d'un roman à la guimauve ou le début d'un mauvais mélo. Mais Ludovic Ray Robert, sa vie, son œuvre, ce n'est pas du cinéma. Encore qu'il y aurait un beau scénario à écrire. 21 septembre 1981, Ludovic glisse sur le marchepied d'un train au départ. C'est l'accident, double amputation fémorale. Alors, à 15 ans, le jeune Lyonnais enterre son enfance, une adolescence plutôt sombre, pour entamer une nouvelle vie, une course au défi, renaître aussi. 7 jours, jour pour jour avant l'accident, je me suis mis à prier, comme on dit plus communément, et à demander à ce qu'il y ait un changement dans ma vie. Et 7 jours, jour pour jour, le changement a eu lieu. J'ai perdu l'usage de mes jambes, et je me suis promis que ce que j'avais perdu en bas, je récupérais ailleurs en je ne sais combien de fois. Donc c'est vrai qu'avant c'était pas le top, maintenant c'est tip top. Ludovic souffle ses 20 bougies lorsque Jean-Claude Killy lui serre la main. Depuis, c'est un petit peu pour lui qu'il skie et qu'il gagne. Pour moi, Jean-Claude Killy, ça serait comme mon père. Il a une tête qui me plaît, il a une façon de parler qui est bien à lui, il est franc, naturel, et je respecte ce mec au plus haut point. Sa carrière vous impressionne ? Sa carrière, oui, parce que bon, il fait du ski, mais avant tout, moi, c'est l'homme que je regarde, et c'est un gars qui me plaît à fond, sans déconner. C'est un mec qui me motive. Si je suis au départ d'une course, qu'il est en bas,
mais je les pulvérise tous, hein. Ça c'est clair. Parce que c'est mon idole. Ludo Laglisse. À 25 ans, il dévore la vie, les performances et consomme goulûment les titres en e-sport. En descente, en super-G et en combiné, le plus couronné de nos athlètes handicapés rafle tout. Tout, sauf un titre olympique, mais là, ce n'est plus qu'une question de jour. Très bien passé, je me demande comment je suis arrivé en bas, j'ai hâte de voir les images ce soir à la télé pour voir comment j'ai pu arriver à gagner cette troisième place et malheureusement voler la place à Alain Margaritas qui est comme mon frangin. Et il fait malheureusement quatrième derrière moi, j'espère qu'en géant il fera une bonne performance, ça serait méritoire après les 4 ans qu'on vient de passer d'entraînement avec toute la ville de Tignes. Alors Alain a fait une grande performance en Super G, moi aussi. Aujourd'hui, je concrétise un rêve vieux depuis plusieurs années. J'espère qu'Alain sera aussi content que moi quand il participera en géant et qu'il ramassera une grosse médaille. Voilà. C'est pas grave. On a gagné. Épreuve reine, la descente, le bronze pour Ludovic Ray-Robert et la plus mauvaise place, la quatrième d'Alain Margaritas. 300 journalistes, 17 chaînes de télévision, les Jeux paralympiques ont été médiatisés au-delà même des espérances du comité d'organisation. Seule absente de marque, la presse écrite nationale qui n'a pas vraiment su relayer l'événement. Les gens ne nous regardent plus comme des handicapés en train de faire du sport, mais en tant que sportifs qui font une performance sportive. Belle performance sportive, intérêt des médias, les 5e Jeux paralympiques ouvrent-ils l'ère de la reconnaissance officielle du handisport et pourquoi pas de la sponsorisation des athlètes handicapés ? L'avenir le dira, mais Tignes a déjà choisi son camp.